mars 68. T'as dit rien, moi. À Bastogne. À Bastogne. 1er mars 68 à Bastogne. Est-ce qu'il y a des gens de Bastogne ici à Louvain-la-Neuve, au quartier de la Baraque? Oui. Oh, le Belio! Oh, oh, le Belio! Oh, oh, histoire! Ah. Raconte! Histoire! Histoire! Raconte! Le bourreau ressort. Et devant la porte, deux hommes s'activent. Ils empilent, brique après brique. Ils referment la porte. Quatre murs, un toit. Marie est enterrée vivante. Ils le voient et ils remarquent quelque chose de particulier. Ils se disent: celui-là, c'est un homme qui pense, c'est un homme qui a pensé, c'est un homme qui a des pouvoirs, qui a des connaissances que nous n'avons pas. Et nous, nous voulons ces pouvoirs. Alors les méchants dévalent des dunes. Ils s'emparent du brave homme. Ils l'attrapent, ils le secouent. Ils lui disent... Écoutez mes poires, vous verrez. Elles sont merveilleuses. La mort va dans le jardin, s'approche d'un poirier, hume les parfums, elle grimpe, tend la main, touche un fruit. Ah, il était amoureux d'une jeune fille qui s'appelait... Madeleine. Madeleine, oui, Madeleine. Alors c'est plus vibration. Aziz est pris d'un tremblement, d'une passion qui le dévore, se déshabille, hop, il court dans l'eau et va rejoindre la jeune fille. La jeune fille est surprise d'abord, puis ravie parce que c'est un bel homme. Et puis elle prend peur. Elle regarde Aziz. Toutes mes pensées, une feuille de l'arbre intérieur. Quand j'en perds dans mes décombres, toutes mes gouttes de sueur. Bien posé sur mes œuvres sombres, ton doigt douceur, une lueur. Ton doigt douceur, une lueur. Sous mon âme qui fut féconde, bien toi qui des cieux a le sourd. Quelquefois une plume tombe sur le cadavre d'un oiseau. Quelquefois une plume tombe sur le cadavre d'un oiseau. Il était au front. Quoi? Au front. Ah, il était au front. Il était au front. Il était au front. Il était au front. Il continue, au front. Il mine, il joue. Sa mère est venue et à la pause, elle va le trouver. Émile, moi je suis fière de toi. Mais est-ce que ça va aller, mon grand? Parce que toi, bah, tu regardes uniquement Amélie, mais Amélie, bah, elle regarde tous les autres. Et elle danse avec eux. Des mots piquants. Des mots piquants, des mots bleus, des mots durs. Cécile, mais aussi. Elle court jusqu'à la forêt. Et là, elle arrive. Et un cercle d'hommes, et au centre, son père, allongé, un drap blanc au-dessus de lui, du sang, le drap jusqu'à la taille. Un simple accident. Le père a levé la hache, un coup sur le tronc, la hache a ricoché, et tchac, la jambe a été coupée. Allez, et spécule. Spécule, ose. Il eut l'idée de creuser un trou très profond du trésor du roi. Ah, le roi de la Belgique. Alors, on se trouvera son trésor. De l'Afrique jusqu'en Belgique, c'est le faux ce roi. De la Belgique jusqu'en Afrique. Ah, au Bénin, jusqu'au Bénin. Voilà. C'est bébé, Belgique, Bénin, bébé. Poisson. J'en veux pour moi.